Ouais, j'espère que vous allez bien, ça va super, je vous retrouve sur un nouveau épisode, nouveau vidéo sur FIFA 22. Le 3 épisode, le dernier épisode de la remontada contre le Paris Saint-Germain. On va terminer avec le Real Madrid. Franchement les mecs, je sais, vous allez dire que c'est déjà fini, là c'est le 3ème épisode, après il reste pas, après je vais faire encore des vidéos de FIFA. Juste avant, là, après, et après FIFA 22, je vais peut-être arrêter, on verra. Et peut-être je vais faire en fait une vitesse sur FIFA 19. Je vais pourrir la carrière d'Alexander, vous connaissez Alexander, voilà tout ça. Mais on parlera dans une autre vidéo. Ne pas vous abonner, likez la vidéo et activer la cloche pour aucune de mes vidéos. On va partir direct pour la remontada. Allez, hop, c'est parti. Contre le Real de Madrid. On va se faire éclater, mais c'est pas grave. On va aller au Real, voilà, on va au Real parce que c'est. Voilà, vous connaissez. Paris Saint-Germain, hop. On va se faire éclater. Vous avez compris ça? Éclater. Et le Real de Madrid. Ne faites pas attention. Voilà, aux joueurs. Voilà. Hop. C'est parti. Voilà. J'espère que vous allez voir. C'est qu'en fait, j'ai mis les équipes du Paris Saint-Germain. Le PSG, je l'ai mis au Real Madrid. Et le Real Madrid, j'ai mis au PSG comme ça, voilà. Pas attention à ça, voilà. Hop, on sort jamais. On ne sort jamais, elle est en troupe. Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver ici à Madrid, depuis le stade Santiago Bernabéu. C'est moi, Hervé Matou, qui vous commenterai ce match. Comme d'habitude, c'est un plaisir, pour moi en tout cas. Le Real Madrid affronte le Paris Saint-Germain. Je suis très content de suivre ce match. Ah, il va être dur à rattraper, là, attention. Toni Kroos. Frappe de mule. Oh, ça, c'est compliqué. Ça peut être compliqué pour David Alaba. Le gardien qui écarte le danger, mais ça joue toujours. Le Real, je pense que ce sera un carton, mais pour l'instant l'arbitre est clément. La voie qui est assez libre sur le côté pour Vinicius Junior. Voilà, le poteau. Ce sera un corner. Dommage, pas grave. Attention pour l'instant. Hop. Ouais, c'est pas embêté avec la relance. Hein. Boum. Ouais, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire pour l'arrêter? Il est parti. On devrait voir comme d'habitude une équipe locale dans son style habituel, hein, beaucoup de pressing, beaucoup de volonté. Peut-être on a pas envie de voir. Prendre le ballon, de conserver. La carrière elle aime avoir le ballon cette équipe. Elle presse, elle agresse. C'est à 3 ans, 4 ans, mais j'ai envie de faire ce les Parisiens qui vont envie de faire ça, mais j'avais pas de chaîne YouTube. J'avais pas de chaîne YouTube. Ouais, mais bon, ça n'ira pas plus loin. La bonne protection du ballon là, bien campé sur ses jambes. Ouais, bien joué Asensio qui poursuit son effort. Allez, l'occasion de passer. Oh, non, le gardien qui repousse, il y a toujours danger. Toni Kroos. Ils ont failli vraiment se retrouver mené au score. Et le public a compris que c'était un moment important qui venait de se jouer. Ils y voient un signe positif, le fait de ne pas avoir pris ce but. Avec les coups, fait du bien cette interception. Alors, ça va être compliqué. Ballon qui est donné en profondeur. Deux vidéos le week-end. Le danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Ce ballon en profondeur. Et voilà. Et cela ne donnera rien du tout. Le record de carton. Marco Verratti. L'attaque va s'arrêter là. Bientôt. Je vais peut-être le faire mercredi parce que mercredi je n'ai pas le cours. Vinicius Junior, mais l'occasion, la parade du gardien qui repousse le ballon en jeu. Karim Benzema, ça n'est pas passé très loin. La bête, là, j'étais rentré dans le filet. Toni Kroos.
Marco Verratti. Mbappé. Lionel Messi. Casemiro. Avec Casemiro. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Navas, oh, qui s'interpose. Ouais, le Paris Saint-Germain peut continuer, avantage. Ouais, c'est bien arbitré, c'est dans l'esprit en tout cas. L'avantage n'ayant pas profité, on revient à la faute. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Daniel Kimpembe. Ok, Kimpembe. Voilà, bientôt il y aura peut-être du Fortnite sur ma chaîne. Mbappé. Toni Kroos. C'est en saison 4, le mec, saison 4. Et il l'a éliminé, attention. Attention, Navas, il a relâché le ballon. Et le but de Neymar, 1-0. Ouais, ouh, ce qui s'est passé. J'ai c'est donc pas l'ouverture du score, 1-0. Asensio, c'est dans le paquet, bon, sans grand danger finalement. Kimpembe est pour écarter le danger sur ce centre. Et il gagne ce duel, il va repartir avec le ballon. Contre vous, hein. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention. La contre-attaque qui se poursuit. Ah oui. Alors occasion, occasion pour Neymar. Et l'arrêt de Keller Navas, c'est bien joué. Et le gardien qui supplée sa défense, qui dégage. Karim Benzema. Oh, il s'échappe tout seul, balle au pied. Et le but, Karim Benzema. L'équipe du but. Du Real Madrid, du PSG, l'équipe du PSG, mais c'est le Real Madrid, voilà. Et le but de Karim Benzema. Let's go, Emmer. Et ensuite, il n'y a plus qu'à ajuster. J'ai changé les équipes et voilà. Un but partout, les deux équipes dos à dos. La balle en profondeur de Mbappé. Et puis du Real Madrid. Action immédiate de l'équipe qui avait encaissé un but il y a quelques secondes. On a gagné des pokémons, on a fait pas mal de choses. Il s'est remis à l'ouvrage tout de suite. Le Real Madrid qui prend donc le devant. Oh, il a une autre. Oh, elle va le voir, va le voir. Moi, je lui mets des tacas. Vinicius Junior. L'arbitre qui a désigné le point de pénalty. Ça veut dire que l'équipe adverse va avoir un ballon d'égalisation. Benzema qui manque son penalty. Putain. Le corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Vinicius Junior. Ah mais. Et oh, mais encore la penalty. Plus, n'hésite pas l'arbitre, un nouveau penalty. Ouais, la faute bien sûr et carton jaune. Le gardien qui a donné une indication un petit peu trop vite. Il est au même endroit. Et avec ce but, de l'autre côté, mais non. Je suis pas con, moi. Neymar sur l'aile, personne pour le contrer. Finalement, ça ne donnera rien. Mais je me fais tac, hop. Allez, l'accélération de Neymar. Et le gardien, c'est pas fini. Attention, il y a peu de solutions pour Ferland Mendy qui est sous pression. Les statistiques qui nous confirme cette impression, vraiment. C'est tout pour le jeu offensif aujourd'hui. C'est un petit peu brouillon en défense. Hein. Il est mal dégagé ce ballon. L'occasion de prendre l'avantage. Oh, but du Real!
Le PSG qui menait au score. Il récupère le ballon. Et l'arbitre qui laisse l'avantage pour le Real. Il a un petit peu d'espace, il peut centrer. Le gardien qui s'en sort bien. Ça, là, c'est pas le moment de paniquer. Mbappé en bonne position. Oh, le pénalty. Pénalty pour le Real Madrid. Sifflé à l'instant par l'arbitre. Vous le savez. Avec beaucoup de sang-froid, pas de problème. Le score qui est maintenant de 4 à 2. Décidément, on a des buts aujourd'hui. Oh, ils vont plus le revoir, ils vont plus le revoir. Ils sont aux abois, les défenseurs. Oh, quelle détente! Oh, il est allé la chercher très loin, celle-là. Quoi? Il cherche le point de pénalty. Non mais je suis en train de faire un truc là. Un truc de vidéo, voilà. Non mais vous m'avez... J'ai gêné Messi dans son action. Oh merde. No way. Ah, ça va rentrer, ça y est. Une première période qui vire à la démonstration. Il faut des années, des passes lobées dans le dos de la défense. L'arbitre qui indique une fois de plus au point de pénalty dans ce match. Je suis pas con. On est là, je suis pas con. Là. Transforme ce pénalty, pas de problème. C'est parfaitement exécuté, on le revoit ralenti ce pénalty. Impossible à aller chercher. C'est la mi-temps donc. Real Madrid qui va donc aborder cette seconde période avec un avantage au score. Ah, c'est plus visible. Bah là, je suis en vidéo, les mecs. Bah oui, c'est pour ça, on perd. Parce qu'après, je vais faire des choses. Neymar. Allez, il est en bonne position là pour centrer. Ah, mauvais dégagement, mal fait. Benzema qui perd ce ballon sans trop de raison apparente. Avantage pour le Real Madrid, ça joue. Kylian Mbappé, plongeon magnifique et la parade exceptionnelle de la part Attention. Du gardien. Non, si on se rend encore habitué. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. On va peut-être assister à une contre-attaque. Un joueur qui tarde un petit peu à revenir. On a marqué. Asensio. C'est parti vers le deuxième poteau. On a marqué. La parade du gardien qui repousse le ballon en jeu. La défense qui parvient finalement à s'en sortir. Ouais, c'est bien fait, il prend le dessus sur son adversaire. Et la bonne anticipation sur ce centre. L'arbitre qui accorde donc un coup franc au joueur du Real. Casemiro. Voilà, après c'est les années Toni Kroos. Voilà. Le mec, je le tape. Ah, il a trouvé son partenaire lancé. Avec Neymar balle au pied et donc danger. Ouais, le ballon qui allait passer la ligne. Eden Hazard. Moi, je prends du côté. Ça va continuer avec Ferland Mendy. Un ballon récupéré par l'adversaire. Allez, il y a une place là pour une contre-attaque. La balle profonde de Mbappé. Attention, Navas, il a relâché le ballon. Oh, le voilà. Putain. C'est pas possible, oui.
c'est pas possible d'être aussi cool. On voit le but au ralenti. La bonne première intervention du gardien. Mais bon, ça n'a pas suivi derrière et il peut rien faire sur le deuxième ballon. Au Real. Et j'ai mis le Real au PSG. Ah, clairement, ce match tourne à leur avantage. Il porte le ballon. Asensio et le ballon bloqué par le gardien. Ah, c'est un joueur dur, hein. On l'a vu sur cette récupération. Ah ouais, j'ai raté. Dani Ceballos. Mbappé. Oui, il a pris le dessus, Kylian Mbappé. Il vient au duel. Kylian Mbappé. Mais pourquoi ça a changé de truc? Le gardien qui repousse. Et c'est dévié. Dommage pour lui. Son tir semblait cadré. Ça m'a même dit. Saint-Germain qui va avoir un coup franc à jouer. Ouais, vas-y, va tirer, vas-y, va tirer lui. Ouais, c'est bien joué, Eden Hazard. Et c'est sans problème pour Donnarumma. Benzema. Le gardien qui repousse, attention. Ouais, ils ont réussi à s'en sortir, mais ils ont eu un petit coup de chaud là. Karim Benzema. Et le but pour le let's go. Bon, 3 buts, ça va. Hazard a un peu de mec, Hazard chaud. Hazard, t'es à la retraite toi, sérieux, elle est en retraite. Quel match, hein, une avalanche de buts. Laissons Benzema, on va blesser Kylian Mbappé, il va pleurer. Il va payer. Mbappé. Neymar. Mbappé vient. Kylian Mbappé. C'est Miro. Attention ce ballon. Oh, c'est bon, bah, non, c'était finement joué, mais ça passe on au-dessus. On peut se mettre un coup de bouche à la présidente. Il a tout coup de bouche là. L'attaque du Camarade. Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid. Allez, il y a du monde pour reprendre. Et non, ça va s'arrêter là. Ouais, c'est dégagé, sans se poser de questions là. Il y a peut-être moyen de placer un contre, attention. Oui, il a pris le dessus, Kylian Mbappé. Le joueur qui tarde un petit peu à revenir. Il n'a plus qu'à la mettre. Et le but. Oh, est-ce que quelqu'un a vu le gardien sur cette action? Ouais, super. On voit ces images. J'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre ce qui s'est passé défensivement. Ouais, étrange. Il n'y a plus de suspense à l'approche de la fin du match. Hein. La décision est faite. Va-t-il parvenir à centrer? La passe qui va être coupée. Bonne lecture de Dani Ceballos. Ah, il a déjà un jaune. Attention, il vient de récidiver dangereusement. Ouais, il veut se battre avec moi. Elle grosse. Rouge sur le chute à maman. Elle est dégage. Il commet bien une faute hein, sur ce tacle. Il a défoncé. Allez hop, Neymar, tu sors, il dégage. Dani. Un ballon qui est perdu. On part Dani Ceballos. Un touche pour le Real Madrid. Il faut qu'il centre là. Kylian Mbappé, il stoppe son action, il était hors jeu. À son grand touche, on a estimé qu'il fallait changer quelque chose. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. La passe inter. Oh, attention, il met tout le monde dans le vent. Il a réussi le triplé.
manifestement la défense n'a pas trouvé la solution avec lui. Une véritable avalanche de buts dans ce match. Le genre de rencontre qu'on adore mettre les entraîneurs de test. Ah, c'est bien fait de la part du défenseur, vraiment très bien joué. Le numéro qui ce ballon en profondeur. Le centre. Ah, mais je suis encore FIFA, arrête de parler. Le centre qui sera pour les gardiens. Mais tranquille. Perdu par les Parisiens. La bonne conduite de balle, le contre qui est lancé. Oh, l'occasion! Oh, magnifique! L'intervention de Keylor Navas. Il ne reste plus que 9 minutes à jouer dans cette partie. Ils avaient bien fait tourner. Dégage, Kimpembe là! Et toi là, tu m'en rien. Passe lobée dans le dos de la défense. Ouais, le ballon qui passe à côté assez largement. Une frappe mal assurée. Méchant vidéo. Putain, je l'ai dit deux fois. L'équipe a pris l'eau de toutes parts. Je l'ai dit. Ah ouais, c'est bien fait ça. Benzema, attention à lui. Le gardien qui repousse, il y a toujours danger. Allez hop, c'est bon, on a marqué Karim Benzema. Il est bien placé, il a mérite d'être là au bon moment, c'est ce qu'on lui demande. On ne voit pas ce score tous les jours, hein. Quel festival. C'est casse-couille de parents là. D'accord, les abonnés, vous êtes d'accord, ils sont... Des fois vos parents ils sont un peu casse-couilles, voilà, comme ça, mais... En fait, ils sont casse-couilles. Regardez Kamavinga. C'est une sorte de passe à 10 en ce moment. Passe bien coupé par Casemiro qui récupère. Attends, je vais me plonger. Oh, Di Maria. Casemiro. Viens. Il y a quelqu'un au second poteau. Il a la bonne sortie, le gardien. Navas, n'y va. Navas. Alors, peut-être l'occasion de placer une contre-attaque. Ah ouais, et le contre n'ira pas plus loin. L'adversaire récupère. Ah, il est passé. Il file vers le but. Oh, c'était dangereux, hein. C'était vraiment dangereux. Ce ballon est remonté à toute allure. Magnifique contre-attaque, même si elle n'est pas arrivée à son terme. On vient mettre un petit peu la pression sur Keylor Navas. Benzema. Hazard. Oh, il y va tout seul. Le gardien qui repousse, ça peut revenir. Ah, mais pourquoi je... Voilà, l'arbitre qui siffle la fin de ce match, c'est terminé, c'est une défaite pour le Paris Saint-Germain. C'est éclaté du Nord. Cette équipe a montré de grosses lacunes aujourd'hui. Hein. C'est à aucun moment on a senti capable de prendre le contrôle de ce match. Karim Benzema. Éclaté. Oh, il s'échappe tout seul, balle au pied. Et le tocar, la colique. Parce qu'il est à la colique de Nani, mais... Il arrive pas à s'arrêter, je sais pas, Skip il va, il essaie d'arrêter, mais c'est très difficile. Et c'est au fond, pas de problème sur ce penalty. Bon bah, on va se... Abonnez-vous, activez la cloche et likez la vidéo pour ne faire aucune de mes vidéos. Activez la cloche, est très très important. Il y aura une vidéo mercredi, il y aura vidéo. Un lundi, mardi, j'aurai pas le temps, désolé. Jeudi, vendredi, je ne pourrai pas. Vendredi, je vais essayer. Et samedi, dimanche, voilà. Et une bonne abonnée. Likez la vidéo, activez la cloche pour une vidéo. Ciao.